Maintenant, nous allons faire des additions comme au CP. Alors, pour ça, prépare ton matériel pour écrire. Si tu ne l'as pas déjà fait, appuie sur pause pour te laisser le temps d'installer devant toi sur la table. Tu es prêt? Allez, on y va. Fais comme moi. Quatre et un. Ça fait combien? Ça fait cinq. Je vais écrire les chiffres au-dessus des points. Fais comme moi. Quatre. Plus 1 égale 5. Le plus, c'est pour mettre ensemble le 4 et le 1. Le égal, c'est pour dire combien ça fait en tout. 4 plus 1 égale 5. Allez, faisons une deuxième addition. Deux et trois. Ça fait combien? Là aussi. Ça fait 5. Écris les chiffres au-dessus des points comme moi. 2 plus 3 égale 5. Voilà la deuxième addition. Et maintenant, une troisième. Deux et encore deux, ça fait combien? Cette fois-ci, ça fait quatre. Écris les chiffres comme moi. 2 plus 2 égale 4. Maintenant, efface ton ardoise comme moi. Tu es prêt? On va faire d'autres additions. Mais cette fois-ci seulement avec les chiffres. Je te dis les chiffres et toi, tu les écris et ensuite tu calcules. Tu es prêt? Allez, on y va. 3. Écris le 3. 2 écrit le 2. Ça fait combien? Bien sûr, ça fait 5. 3 plus 2 égale 5. Allez, une autre. 1
plus 3. Ça fait combien? Cette fois-ci, ça fait 4. 1 plus 3 égale 4. Allez, on continue. Écris. 1 plus 4. Ça fait combien? Ça fait 5. 1 plus 4 égale 5. Allez, une dernière. Tu es prêt? 3. Plus 3. Donc encore 3. Ça fait combien? Cette fois-ci, ça fait 6. 3 plus 3 égale 6. Tu as réussi? Bravo! Si c'était encore un peu difficile, ne t'inquiète pas, on s'entraînera à nouveau bientôt. Si tu as des difficultés à écrire les chiffres, entraîne-toi en utilisant la pochette. Ça y est, c'est terminé.